Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 9 mai 1945, c'est-à-dire le jour où les héritiers de l'Union soviétique célèbrent la fin de la Deuxième Guerre mondiale, 9 mai étant le jour où l'armée rouge, le général en chef, le maréchal en chef de l'armée rouge a signé la reddition inconditionnelle de l'Allemagne nazie, le 8 mai étant celui où ce sont les alliés occidentaux qui l'ont fait. En ce jour, l'héritier principal de l'Union soviétique, la Russie, célèbre par une grande fête, un grand jour de congé, et bien sûr un défilé absolument magnifique qui nous rappelle comment ce pays a, avec des sacrifices incroyables, immenses, a quasiment pas lui seul, bien sûr, mais qu'a vraiment réussi à en finir avec leur agresseur, puisque l'Allemagne nazie a agressé la Russie et l'Union soviétique, pardon, le 22 juin 1941. Et ça me donnait l'occasion, dans ce jour de commémoration, vous voyez, je partage une admiration pour ces soviétiques qui, malgré un régime politique ignoble, eh bien, par leur courage, par leur force de patriotisme et par leur industrie, et aussi avec une aide évidemment des alliés occidentaux, notamment par l'industrie et surtout l'industrie alimentaire américaine, ont terrassé un ennemi impitoyable. Et ça me donne l'occasion justement de parler d'un sujet qui est parfois ou même peu connu, parce que vous savez, dans l'histoire est malheureusement toujours manipulée d'une part par l'émotionnel et d'autre part par les intérêts du jour. Donc vous savez, lorsque vous parlez d'Allemagne nazie, de plus en plus dans les écoles, toute l'Allemagne nazie est réduite à Auschwitz, quoi. Alors que Auschwitz, c'est un élément de la Deuxième Guerre mondiale, tout comme telle bataille, telle politique, etc., et qui est évidemment un élément dramatique, mais qui n'est pas le pilier central de toute cette histoire. Et donc, c'est intéressant de remettre dans un certain contexte aussi, on va dire, certaines des politiques nazies, et vous allez voir en quoi ça touche le survivalisme. J'en avais parlé brièvement, si vous allez chercher assez loin dans mes vidéos ici sur YouTube, j'avais fait une courte vidéo pas loin de Oradour-sur-Glane, en montrant un petit peu comment en fait cette politique anti-guérilla pouvait amener à la destruction, à l'élimination totale d'un village, en sachant qu'en France il y a eu un ou deux cas, en Italie également. Mais alors qu'en Yougoslavie ou évidemment dans les territoires soviétiques, il y a eu des milliers et des milliers de villages qui ont été totalement détruits, exterminés, avec la population exterminée. Et donc ça laisse aussi une certaine perspective. Et donc ça montre le poids et l'importance du front de l'Est, non seulement dans les combats, mais aussi dans les politiques clairement de massacre. Alors je vais vous parler aujourd'hui de l'histoire d'un dignitaire nazi qui s'appelle Herbert Backer. Il est d'origine géorgienne, c'est un Allemand, une de ces familles allemandes qui avait migré au fil des siècles dans l'Ukraine et la Géorgie, donc un Allemand de Géorgie, comme ils appelaient à l'époque, et qui a, lors de la Révolution et la guerre civile russe, migré en Allemagne. Cet Allemand, Herbert Backer, est devenu le ministre de l'Agriculture, le ministre de l'Alimentation et le ministre de l'Agriculture du Troisième Reich. Alors, il est peu connu, bien qu'il a été. Bon, il s'est suicidé en captivité américaine à la fin de la guerre. Mais ce qui est intéressant, c'est que il a défini la politique agricole et agraire du Troisième Reich. Alors, dans la partie avant la Deuxième Guerre mondiale, la politique de l'Allemagne dans ce domaine était, directement inspirée par la volonté d'Adolf Hitler, était de amener l'Allemagne à l'autonomie. La raison est multiple. Tout d'abord parce que, évidemment, comme c'était des gens intelligents, ils avaient compris que l'autonomie permettait une certaine indépendance, mais surtout parce que toute cette génération d'Allemands avait vécu la Première Guerre mondiale, et il faut savoir que la Première Guerre mondiale avait vu la mise en place de plans
on en reparlera, de famine volont du centre de l'Europe. C'est-à-dire que les flottes anglaises avaient décrété un blocus avec la volonté très très claire d'affamer et de tuer le maximum de la population allemande et austro-hongroise. Et donc l'Allemagne, à cette époque, n'avait pas réussi suffisamment vite à obtenir des récoltes agricoles qu'elle a eues seulement plus tard en Ukraine. D'ailleurs, une des raisons pour laquelle l'offensive de printemps 1918 de l'armée allemande a pu être faite, c'est non seulement les troupes allemandes du front de l'Est qui étaient revenues, mais aussi parce que les réserves agricoles ukrainiennes avaient pu être conquises et utilisées. Et après celle-là, eh bien, ça a été la famine, et l'automne et hiver 1918-1919 ont été terribles pour la population allemande. Et donc, la politique allemande dans les années 30 avait été de développer une politique d'autonomie alimentaire agricole, tout comme l'avait fait l'Italie et d'autres pays. Alors, lorsque la guerre a démarré, évidemment, un des soucis des dignitaires et de la politique de l'Allemagne nazie était de continuer à pouvoir apporter suffisamment de nourriture à la population, faute de quoi, évidemment, le moral de la population allait baisser, et donc le soutien à la guerre agressive, hein, de l'Allemagne nazie allait forcément baisser également. Et donc a été mise en place une politique d'une part, de pillage systématique des réserves agricoles et des réserves alimentaires de tous les pays conquis. Donc, on a vu qu'en France, en Hollande, en Belgique, dans le territoire occupé, en Pologne, donc ce qu'ils appelaient le gouvernement général, mais également dans le territoire de Bohême et Moravie, c'est-à-dire ce qu'ils avaient appelé le protectorat de Bohême et Moravie, c'est-à-dire la Tchécoslovaquie démembrée. Et dans d'autres pays, il y a eu un programme très très clair de baisse à un minimum qui était considéré comme acceptable pour les territoires occupés de calories journalières par habitant, et tout le surplus devait être rapatrié en Allemagne. Mais là où c'est vraiment parti en plan très très ambitieux, si on peut dire, c'est lorsque lorsque Hitler a décidé d'envahir l'Union soviétique. Et en juin, donc 21 ou 22 juin 1941, lorsque l'Allemagne a lancé l'opération Barbarossa, c'est-à-dire l'invasion de l'Union soviétique, Herbert Backe a été mandaté pour développer ce qu'ils ont appelé le plan de la faim. Donc clairement, ce plan de la faim a été clairement, depuis le départ, basé sur la décision suivante. C'est-à-dire que pour pouvoir permettre un apport de nourriture suffisant à la population allemande, il fallait mettre en place en Biélorussie, mais surtout en Ukraine, une politique de séquestration des biens et des denrées agricoles et de la production agricole chaque année, de manière assez colossale. Et ils avaient calculé que pour faire cela, il fallait réduire et par définition, et c'était explicitement écrit dans ce plan, exterminer entre 20 et 30 millions d'habitants de ces régions, essentiellement en Ukraine. Et donc, pendant la préparation d'ailleurs de l'invasion de l'Union soviétique, les services donc de Herbert Backe ont préparé, avec l'accord de Göring et de Hitler, donc tout ça c'est documenté, ce qu'ils appellent, je vais le citer, les directives politiques et économiques pour l'organisation économique Est, qui ont été publiées au sein pour le gouvernement allemand de cette époque le 23 mai 1941. Donc ils avaient étudié très précisément, à l'allemande, ils sont toujours très précis, très pointus les Allemands, comment nourrir d'une part la population allemande en prenant le maximum de biens et de ressources, donc comme j'ai dit, agricoles et alimentaires, mais aussi comment faire en sorte de nourrir l'armée allemande sur le terrain. Donc de ne pas avoir, ou de limiter le besoin logistique, parce qu'ils avaient compris que c'était un territoire immense. Et tout ça, ça entrait dans le schéma général de l'Est, c'est-à-dire les schémas d'occupation qui étaient extrêmement brutaux, basés sur évidemment des politiques raciales et de domination ethnique et d'extermination claire des populations slaves. Donc, on estime d'ailleurs que cette séquestration, qui n'a pas pu fonctionner aussi bien qu'il l'avait planifié, puisque les conquêtes
n'ont pas été aussi totales, et surtout il y a eu des mouvements de résistance, de partisans. On estime, donc il y a un professeur américain, Timothy Snyder, qui a estimé que il y a eu 4,2 millions d'Ukrainiens morts directement à cause de ce plan. Donc 4 millions d'Ukrainiens ont été réduits à la mort, à mort de faim, à mourir de faim. Et ça, c'est non compris. Ce sont des gens qui ne sont pas morts au combat, ne sont pas morts dans des exterminations par les groupes d'extermination, etc. Donc, en fait, ce plan était un échec, évidemment, parce que la guerre n'est pas allée dans le sens de l'Allemagne, parce que beaucoup d'Ukrainiens ont caché, évidemment, ils ont compris que. Puis ils avaient eu l'expérience, l'Ukraine avait aussi été affamée par le pouvoir soviétique dans les années, fin des années 30, enfin dans les années 30. Et donc ils avaient compris qu'il fallait stocker de la nourriture, la cacher, etc. Et donc, je vais revenir, parce que là, il y avait écrit dans ce plan de l'Est, sur ce plan de la faim, qu'il devait clairement annihilé, et ça c'est documenté, donc souvent on entend sur Internet des gens qui disent oui, mais il n'y a aucun ordre d'Hitler pour l'extermination des Juifs, il n'y a aucun ordre. Peut-être, mais il y a des ordres très clairs de l'annihilation de la population qu'ils appelaient superflue, et ça incluait clairement les Juifs, et c'est clair, il y avait les Juifs, la population des grandes villes, qui ne devait pas recevoir aucune calorie, ils devaient être totalement mis à mourir de faim. Donc pour les Allemands, la population juive d'Ukraine notamment, mais aussi toute la population ukrainienne vivant à Kiev, devait être affamée. Et de toute façon, toute la population ukrainienne devait être affamée de manière drastique, avec une réduction de leur apport calorique, afin que dans cet ensemble de population, il y ait 20 à 30 millions de morts, pour qu'ensuite la colonisation allemande puisse arriver. Dans l'esprit allemand, il fallait 6 esclaves agricole ukrainien pour un fermier propriétaire allemand. Donc ça, c'était le plan de colonisation qui est un autre plan. Mais bon, bref. Donc, on pense à ces 4 millions de morts. Alors, ce qui est d'ailleurs paradoxal aujourd'hui, c'est que vous voyez des Ukrainiens qui se réclament, puisque à cette époque, beaucoup d'Ukrainiens avaient en fait rejoint comme volontaires les forces armées allemandes contre les forces soviétiques. Et on estime que entre 1 et 2 millions d'Ukrainiens et aussi quelques Russes ont rejoint les forces armées allemandes sous forme de volontaires ou voire de combattants. Et ce qui est incroyable, c'est que malgré les brutalités et les plans d'extermination allemandes, il y a une partie d'Ukrainiens qui rejoint les Allemands alors que ceux-ci n'avaient d'ambition de toute façon à la fin que de les exterminer. Donc ça montre à quel point il faut se méfier de la propagande, il faut se méfier de. Il faut bien comprendre qui est son ennemi principal, etc. D'ailleurs, la résistance ukrainienne contre le pouvoir soviétique, ce que je peux comprendre, hein, a duré jusque dans les années 50. Donc il y a eu essentiellement, les Ukrainiens les plus nationalistes et les plus antisoviétiques se trouvent plutôt dans la partie à l'ouest de l'Ukraine, qui était l'ancienne Galicie ou une autre région dont le nom m'échappe. Mais enfin, toute la partie anciennement qui s'appelait Lemberg, je crois que c'est Lvov, elles vivent en ukrainien aujourd'hui. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, il y a des Ukrainiens qui, par patriotisme ou par erreur, se rattachent à cet héritage nazi, alors que celui-ci a exterminé 4 millions de leurs concitoyens ou de leurs cohabitants. À l'époque, l'Ukraine n'existait pas, évidemment, c'est une région soviétique, de cette époque-là. Donc, on voit qu'il y a des paradoxes étonnants dans l'histoire. Et tout ça pour dire que ces scénarios ne sont pas impossibles, ils ont existé. On va reprendre un peu plus large, mais il y a eu une volonté, par exemple, de l'Angleterre d'exterminer et d'affamer en tuant de faim les Allemands en 14-18. Évidemment, ils ont essayé de faire pareil en 39-45, mais les tapis de bombe, c'était plus efficace. Mais il y a eu donc cet exemple de l'Allemagne, avec son plan de la faim, d'exterminer par la faim, par la famine, des innombrables populations de Slaves en Union soviétique. Il y a d'autres exemples. Les Japonais ont clairement affamé et tué de faim une grande partie de leurs prisonniers de guerre. Il faut savoir que les Japonais ont très très mal traité les prisonniers de guerre occidentaux. Ils les ont quasiment tous tués. D'ailleurs, on a un exemple où sur les centaines de milliers de Chinois capturés en tant que prisonniers de guerre par l'armée japonaise en Chine, je crois qu'il n'y a eu que 5 qui ont survécu.
ils ont systématiquement été exterminés. Le meilleur moyen d'exterminer les gens, c'est par la faim. D'ailleurs, je vais dire quelque chose qui est très politiquement incorrect, mais l'immense majorité des Juifs qui sont morts dans les camps de concentration, en fait, ils ont été tués par la faim et la maladie, parce que c'est le plus efficace. Et l'immense majorité de ceux morts de faim et de maladie, et volontairement, hein, c'est clair que c'est pas du tout un accident. Bien que dans les derniers mois de la guerre, le dernier hiver 44-45, la désorganisation du système allemand était telle, par la défaite et par les bombardements, qu'ils n'avaient plus aucun moyen d'amener ne serait-ce que le minimum de nourriture pour pouvoir continuer le travail dans tous ces camps, pas que les camps où il y avait des Juifs, bien sûr, mais aussi d'autres camps, et à tel point que la plupart des gens sont morts à cette période-là. On estime qu'il y a eu des millions de gens morts dans les camps dans cette période de fin 44, début 45. C'est là où il y a eu l'essentiel, finalement, de l'extermination, qui était clairement volontaire. Moi, je ne crois pas du tout que les Allemands étaient bienveillants. L'Allemagne nazie n'était pas du tout bienveillante et s'occupait pas bien de tout ce qu'ils considèrent comme inférieur ou clairement qui avait un destin à être exterminé pour ces gens-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut apprendre donc, on peut apprendre de jamais se faire prendre prisonnier, jamais finir dans un camp, jamais être réfugié. Ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois, ça c'est clair. Mais que se passe-t-il si une population ou un pays prend le contrôle du vôtre? Ici, les règles, à mon avis, il y en a trois. La première, c'est d'abord être certain qu'il y a une autre armée qui viendra vous libérer. Et probablement, ça, vous ne le maîtrisez pas. Mais ça peut être une décision sur le fait de partir ou de rester. Si vous pensez que ben voilà, c'est votre territoire, c'est votre terre, mais qu'un jour vous allez peut-être libérer de l'occupant, cet occupant il peut être une armée, mais ça peut être aussi une colonisation. Pensez à l'Europe aujourd'hui, comment l'Europe se fait coloniser. Pensez à l'Afrique hier ou le Moyen-Orient hier, comment sous forme de protectorat ou carrément de colonie, ou l'Australie, comment l'histoire peut amener des territoires et des populations autochtones qui y habitent d'être totalement éliminés, exterminés ou marginalisés par des nouvelles populations. C'est tout le monde le fait. Hein, c'est pas l'Europe aujourd'hui est colonisée par l'Afrique, l'Amérique latine, le Moyen-Orient, etc. Mais dans le passé, c'était l'inverse. L'Amérique du Nord a été colonisée par les Européens, etc. C'est un mouvement constant. C'est pas bien ou pas bien. C'est pas bien pour l'autochtone. Donc c'est pas bien pour l'Amérindien avant. C'est pas bien pour l'Européen aujourd'hui. Mais c'est comme ça. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait, comment on agit, etc. Si vous avez l'espoir de pouvoir tenir le coup parce qu'une armée ennemie, une armée va venir vous libérer, et ben ça peut être une option. Sinon, peut-être une option, c'est de partir. La deuxième leçon que l'on a à prendre, c'est de cette plan de la famine en Europe de l'Est, c'est la constitution de stocks de nourriture, de réserves cachées. Parce qu'effectivement, j'en parle pas dans mes livres parce que c'était prématuré, mais clairement, il y aurait un autre livre à écrire sur les situations qui vont un peu plus loin que ce que j'ai déjà expliqué dans Survivre ou ce que j'ai expliqué avec Always dans Rue Barbare. Comment est-ce qu'on peut aller plus loin? C'est-à-dire des techniques de cache. On n'en a pas parlé volontairement parce qu'on voulait rester déjà sur la base. Ça, il y a pas mal de choses à raconter et je commence à avoir un peu d'expérience et surtout d'enquête là-dessus. La troisième option, c'est la résistance, évidemment. C'est qu'à un moment, vous n'allez pas accepter de vous faire envahir, vous n'allez pas accepter de vous faire coloniser, ou vous n'allez pas accepter, ou si vous êtes envahi et colonisé et que vous ne pouvez rien faire parce que vous êtes occupé pendant un certain temps, vous allez vous organiser pour la résistance. Alors la résistance, elle inclut tous les éléments nécessaires à la survie, c'est-à-dire évidemment les nécessités basiques en eau, en nourriture, mais aussi en stock d'armes, de munitions et de techniques nécessaires pour mener la guérilla, mener la guerre. Et ici, un grand moment de gloire doit être fait aux millions de Soviétiques, de Russes, Biélorusses, Baltes aussi, mais aussi Ukrainiens, pas tous ont collaboré, qui ont lutté contre l'invasion de cette époque nazie, qui ont lutté contre ces politiques d'extermination. Il y a également un hommage à rendre aux millions de Serbes et en général aussi de Yougoslaves qui se sont battus contre l'occupation nazie et les nettoyages ethniques qui avaient lieu à cette époque. Hommage également aux résistants, certes, de la dernière heure, mais français, italiens,
belges, hollandais et d'autres pays également, grecs, sur la Grèce, pensez à l'Allemagne a clairement voulu contrôler la Grèce par la famine. Ça aussi, c'est un plan qui a été mis en place, dont on parle peu et qui explique aussi un des désastres et le fait que la Grèce s'est retrouvée dans une situation économique très très difficile après la guerre et jusqu'à aujourd'hui. C'est qu'il y a eu, je crois, 1 demi-million de Grecs qui ont été affamés jusqu'à la mort pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant l'occupation allemande et italienne. Donc, cette utilisation et sans parler de la Pologne qui a été décimée par ces politiques de séquestration d'avions. Il faut savoir que le plan incluait également que chaque soldat allemand qui rentrait chez lui, pour augmenter le moral des personnes restant à la maison, de leur famille, se chargeait au maximum de nourriture pillée sur le pays. Donc là aussi, l'Allemagne nazie n'est pas coupable que par ses SS ou par l'organisation nazie, c'est que toute l'organisation de combat allemande, en tout cas sur le front de l'Est, alors que sur le front de l'Ouest, ils se sont assez bien comportés, hein, il faut dire la vérité, mais enfin, sur le front de l'Est, ils ont été extrêmement. Ils se sont donnés au pillage systématique. Et notamment les soldats, chaque soldat individuel rentrait, lorsqu'il était en permission, avec des valises pleines de nourriture pillées directement par l'organisation qui s'en occupait, de nourriture qui avait été soustraite aux Russes, aux Ukrainiens, aux Biélorusses, etc. Donc cette politique ou des Grecs et autres. Donc cette politique d'affamation, de famine, elle était claire, elle est documentée, elle est meurtrière et elle est criminelle, évidemment. Donc on peut aussi se révolter. Donc hommage aux Grecs, hommage à tous ceux qui se sont révoltés parce que le futur proche, c'est bien sûr, à mon avis, l'effondrement économique, mais c'est peut-être aussi une période de dictature, une période de rapine, rapine fiscale, rapine économique, mais peut-être aussi rapine alimentaire. Et donc nous devons être prêts à tous les scénarios, ce qui ne nécessite pas plus forcément de préparation que dans la constitution d'une base autonome durable, mais il faut qu'on commence dès aujourd'hui à réfléchir à la possibilité d'un État qui devient notre ennemi. Enfin, la plupart des États sont déjà nos ennemis. Nous sommes la plupart des pays, j'exclus mon pays, la Suisse, de cette réflexion, mais la plupart des pays dans le monde ne sont plus des démocraties. Pour trouver encore un État bienveillant par rapport à sa population, il faut aller en Russie, en Chine. C'est incroyable qu'on en arrive là. Mais on peut très bien imaginer des pays comme l'Angleterre, les États-Unis, la France, l'Espagne, même l'Allemagne, la Belgique, la Hollande, etc., et d'autres pays, devenir prédateurs et vouloir non seulement le contrôle, mais aussi la mort des habitants de ce citoyen. Et d'ailleurs, je le dis toujours, les populations immigrées qui ne sont pas nos ennemis en tant qu'individus, elles sont en fait des outils de plus en plus utilisés par les États et par les États supranationaux pour contrôler ce qui est en train de devenir une prison. Alors pour l'instant, c'est une prison où on peut consommer, où on a encore le ventre plein pour ceux qui ont encore du travail, mais ça peut tourner très très vite. Ça peut tourner très très vite dans la dictature. Et donc en ce jour de libération de l'Europe, de l'immonde bête, et c'est vrai, je le pense vraiment, hein, moi je ne suis pas de ceux qui, par volonté de provocation, essayent de réhabiliter le nazisme, pas du tout. Je pense que c'était un des systèmes, d'ailleurs socialiste, ça m'étonne pas, un des systèmes socialistes les plus ignobles et les plus meurtriers du monde, comme le système communiste. Ce sont deux systèmes frères, sœurs, je ne sais pas comment on dit, mais en tout cas, clairement, deux systèmes absolument sanglants et meurtriers. En ce jour de commémoration, ayons une pensée pour nos ancêtres qui se sont battus, ayons une pensée également pour notre futur, qui risque de voir de nouveau des années sombres et qui ne viendront pas par l'extrême droite, ils ne viendront pas par l'extrême gauche, ils viendront par le pouvoir qui est déjà en place, qui est prêt à tout, et je dis bien à tout, y compris à tuer ses citoyens potentiellement, par la famine justement ou par d'autres moyens, s'il peut, parce que c'est ma thèse, à mon avis, il n'y arrivera pas parce qu'il est trop faible. Mais c'est possible que nous ayons à voir ce totalitarisme qui devient dur.
Et pour ça, nous pouvons fuir, nous pouvons nous préparer, nous pouvons se préparer également à se battre. Je ne vous incite pas à le faire aujourd'hui. Je dis bien que ce sont des hypothèses que toute personne prévoyante, tout citoyen, toute personne libre doit pouvoir être capable de faire. Donc, en ce jour, à mes amis dont vos ancêtres, dont vous avez eu des parents qui se sont battus sur les différents fronts, et je m'adresse par cela pas seulement aux Européens, mais également aux Africains du Nord, aux gens du Moyen-Orient, et bien sûr d'Asie et d'Amérique. C'était vraiment une guerre mondiale qui se sont battus pour la liberté, pour un certain idéal. Faites attention, cet idéal est mort, et il va falloir le ressusciter, et que cette liberté, elle est en train d'être détruite de plus en plus. Nous sommes à la dernière phase par le pouvoir en place dans la plupart des pays du monde. Donc, de ma petite Suisse qui est encore démocratique et encore assez libre, j'essaye de passer ce message. Message de résistance à mes amis qui ont des familles qui ont souffert pendant ces guerres. Vous savez, c'est toujours parler et opposer juifs, pas juifs, etc. Tout le monde a souffert. Même les Allemands, et les Allemands ont probablement souffert le plus de leur erreur, de cette erreur compréhensible d'avoir donné confiance dans un régime qui leur a promis et qui leur a donné pendant un certain temps une certaine prospérité, mais qui les a amenés dans le gouffre. Et vous, si vous êtes des gens de bonne volonté, si vous savez dialoguer, si vous savez lire l'histoire, vous savez qu'on n'est plus du tout dans une période où on est là à dire oui, mais les Juifs ont souffert plus que les autres. Tout le monde a souffert et nos ennemis, ils n'en ont rien à foutre que vous soyez musulmans, juifs, arabes, européens, africains, jaunes, noirs, blancs. Ils veulent la domination totale de tout et de tous. Nous sommes tous dans ce combat. Les conflits stériles entre race, religion, à mon avis, sont néfastes par rapport à ce combat que nous allons devoir mener. Après, certes, un peuple, une terre, bien sûr, et personne ne veut être colonisé, personne ne veut être exploité, ni les Africains, ni le Moyen-Orient, ni la Russie, ni l'Ukraine, ni l'Europe, ni les États-Unis, ni quiconque. Mais nous allons devoir faire face probablement à des temps très difficiles. Voilà. Donc en ce jour du 9 mai, commémoration des 70e anniversaire de la libération, en ce 9 mai 1945, moi je fête plutôt le 9 mai plutôt que le 8 mai pour des raisons familiales, réfléchissez bien, préparez-vous et pensez à ceux qui se sont battus pour nous, pour nos libertés, et comment nous allons peut-être devoir nous battre pour les conserver. Hurrah! 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 À bientôt.